Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne pour ce mercredi 14 août 2019. Alors, je suis médium et vous avez sous la vidéo mon site web, ma page Facebook ainsi que mes coordonnées téléphoniques si vous désirez une consultation en privé. Pour le concours des 10 000 abonnés qui verra deux gagnants, je vous invite à vous abonner si ce n'est fait pour participer. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos à venir. Alors, pour ce mercredi 14 août, eh bien, attendez-vous avec la tour qui brûle, la tour, la maison Dieu dans le tarot de Marseille, à des bouleversements. Alors, c'est la destruction du mal pour le bien. Alors, les flammes qui vont brûler des situations difficiles, des situations passées, pour une renaissance, un renouvellement. Alors, cette carte est extraordinaire. Regardez ce feu qui purifie. Des changements soudains sont là, qui arrivent vers vous. Alors, vous attendiez peut-être des nouvelles depuis un moment. Depuis peut-être même la période de l'automne, hein, il y a des fouf, la situation a pris du retard comme l'escargot, mais l'escargot il avance doucement, mais il arrive. Et alors, vous êtes dans une situation d'attente depuis un moment, par rapport à une personne, on va le voir. Et alors, bien, vous étiez en désespoir de cause, je pourrais dire, vous n'attendez plus que les choses arrivent dans le bon sens, que la situation se renverse pour vous, et il semblerait que vous alliez retrouver une certaine sérénité. Alors, il y a eu peut-être une décision de justice qui parle aussi d'équilibre qui a été perdu par rapport à une amitié, un ami, et en tout cas, vous êtes une personne généreuse, vous ne comprenez pas, vous êtes dans l'attente, dans une situation de blocage, dans un déséquilibre et vous voulez retrouver l'équilibre. Alors vous êtes depuis un moment dans une dépendance physique et dans un désert amoureux concernant une personne. Alors cette personne, eh bien, vous l'aimez en tout cas sur le plan physique, vous êtes dépendant d'elle. Alors c'est peut-être un ami, hein, cet ami qui ne communique plus, qui s'est éloigné depuis l'automne. Et vous cherchez avec une, peut-être il y a eu une séparation, vous cherchez, ben vous attendez, mais maintenant vous n'attendiez plus. C'est quand on n'attend plus que les choses arrivent, vous allez avoir des messages, une communication, peut-être même des écrits. Alors une communication de cette personne et tous les espoirs, on vous dit, sont permis. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il va y avoir des retrouvailles. Alors des retrouvailles, comment? Il va y avoir la route deux fois. La route, c'est-à-dire vous allez vous déplacer ou bien cet homme qui est là, cet homme brun, si vous êtes un homme ou une femme, peu importe, il y a un homme qui va se déplacer vers vous ou vous allez vous déplacer vers cette personne. Et on peut dire que cette carte bien dit que c'est une certitude qu'il va y avoir un contact et un déplacement, en tout cas un accord, mais pas un accord dans le sens de se voir, de se rencontrer. Ça ne va pas être simplement une communication écrite ou une communication par texto ou par téléphone ou autre moyen, mais ça va être vraiment une rencontre. Alors la rencontre, la route, oui, pour saisir une opportunité, la chance revient dans votre vie, la chance de revoir cette personne, d'avoir peut-être une discussion avec elle, une communication avec cette personne revient, et on a un bien-être qui revient, le bien-être, on a un cadeau. Alors après, vous verrez ce cadeau, ce que vous allez en faire, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la situation se débloque, la situation latente, des retrouvailles se font, il va y avoir sûrement des échanges, de la communication. Après, bon, ben, l'avenir dira ce que vous allez faire à cette histoire, mais cette attente, ces blocages vont être bouleversés rapidement. Alors peut-être ça ne va pas être exactement à ce jour de mercredi 14 août, mais vous, si vous attendez des nouvelles, si vous attendez de revoir une personne, eh bien, il semblerait que la situation se transforme. Il y a une inversion de paradigme là, il va y avoir un bouleversement auquel vous ne vous attendez pas pour un mieux. Je voudrais conclure comme d'habitude avec l'oracle des chamans et l'esprit du défi qui va vous accompagner tout au long de cette route, qu'elle soit sur le plan physique ou autre. En tout cas, l'esprit vient du défi, il est extraordinaire cet esprit du défi parce qu'il vous parle de détermination face à l'adversité, de prendre des risques, de faire face à l'opposition, d'avoir du courage, de puiser l'énergie pour aller de l'avant et de réévaluer des ressources que vous possédez. Et il vous dit, je suis l'esprit du défi. Je vous mets au défi de considérer votre vie et de la transformer. Je vous mets au défi de foncer sur votre chemin malgré les obstacles. Je vous mets au défi de reconsidérer les tâches qui vous semblent insurmontables et d'accepter les risques que vous encourez en essayant de les accomplir. J'exige de vous le maximum de persévérance et de détermination.
Lorsque je suis à vos côtés, vous pouvez affronter des défis qui, en d'autres circonstances, pourraient vous décourager. Ensemble, nous ferons face aux épreuves les plus difficiles et en sortir victorieux. Voyez, des bouleversements, des défis, comment dire, des choses à prendre, à saisir. Dans ces bouleversements, il va falloir y aller, saisir les opportunités. C'est magnifique. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Excellent mercredi, à très bientôt. Et je suis à votre disposition pour une consultation en privé. Bye bye.